Cédric est avec nous pour nous parler, directeur du festival Association Montpellier Accordéon. Alors ça me fait plaisir parce qu'on a tendance à mettre le mot accordéon et ceux qui en jouent dans un fameux tiroir. On va en parler aussi, ça m'intéresse d'avoir un petit peu le point de vue. Festival Accordéon pluriel, les 10 ans. Alors déjà, ça met tout le monde d'accord. Si ça fait déjà 10 ans, ça veut dire que ça marche et que ça fonctionne. Oui. Bah écoutez, oui, ça fonctionne plutôt bien, oui. Le public est au rendez-vous chaque année, donc ça fait très plaisir. Oui. Donc c'est une bonne chose. Alors, directeur du festival, ça veut dire, alors on sait ce que c'est qu'un directeur de festival, mais là, spécialement pour l'accordéon pluriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller chercher des joueurs d'accordéon de différents, je dis n'importe quoi, hein, de différents niveaux, différentes catégories, différents styles aussi peut-être. L'objet du festival, c'est de montrer un peu la richesse de cet instrument et puis de montrer qu'il s'intègre à tout style de musique. Du coup, je vais chercher des musiciens professionnels, je vais regarder un peu ce qui se fait et je fonctionne un peu au coup de cœur. Donc, il n'y a pas de thématique particulière. Je vais vraiment au coup de cœur avec quand même une chose qui me tient à cœur, c'est la musique du monde quand même. Voilà, c'est un peu mon. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai lu un petit peu la programmation. Il y a ce fameux voyage. Voilà, ça fait. C'est vraiment la thématique. Et dans le monde de l'accordéon, grâce à l'accordéon, on peut voyager comme ça? Et oui, parce qu'on retrouve l'instrument sur tous les continents, en fait. C'est une manière de voyager en musique et montrer que cet instrument, ben, il est présent un peu partout dans le monde. Alors moi je suis très curieux, comme tous les gens d'ailleurs, qui veulent se dire, bah tiens, on va changer, on va se faire un événement un petit peu festif, mais avec de l'accordéon, parce que c'est pas souvent que ça arrive. Et puis là, ça arrive, c'est à Montpellier, comme j'ai dit, c'est la 10e année. Il va se passer plein de choses. À quoi il faut s'attendre lorsqu'on va venir sur cet événement-là? Déjà, il ne faut pas s'attendre à justement avoir un style de musique qu'on a peut-être l'habitude de auquel on a l'habitude de penser quand on pense accordéon. C'est le style bal à papa, bal musette. C'est ce que j'allais te dire. Et voilà. Et donc justement, j'ai créé ce festival pour montrer. Alors moi, j'ai rien contre ce style de musique et il y a des valses de musette qui sont magnifiques et donc tout va bien. Maintenant, je voulais quand même montrer autre chose, d'autres styles, mais alors autour des musiques du monde, mais pas que, aussi dans la chanson, dans le rock, dans l'électro, pour montrer un peu toute cette richesse de cet instrument et montrer qu'il est présent un peu partout, quoi. Alors ça, c'est absolument génial. Ça veut dire que là, si on t'entend bien, c'est vrai que quand on dit accordéon, on dit balle. Balle musette, etc. Et puis quand on t'écoute, on entend que bien effectivement on peut retrouver de l'accordéon dans pourquoi pas de la techno, dans du reggae, dans plein de styles différents de musique. Et on a tendance des fois à cataloguer, je le disais dans ma présentation au début, on met l'accordéoniste dans un tiroir bien spécifique, alors que il a tendance et vraiment à se démocratiser et il s'ouvre à tous les styles de musique. Oui, tout à fait, oui. Ça va vraiment du classique à l'électro, enfin voilà. Vraiment, c'est un instrument qui est partout. Alors après, on n'y prête pas forcément attention parce qu'il va être intégré à un groupe où il y a d'autres instruments. Donc, alors si c'est visuel, si c'est une vidéo, oui, on va voir l'accordéon. Mais si c'est on entend une musique, bon voilà, il est mélangé avec les autres. On n'a pas forcément conscience qu'il y a de l'accordéon peut-être, mais il est très présent quand même l'instrument. Hein. Alors, c'est pas n'importe quel événement quand même, parce qu'il y en a qui font des événements sur un jour. Alors, on pourrait se dire, un directeur de festival qui fait ça sur un jour, bon, ok, il a un peu de boulot, il faut sélectionner. Mais là, c'est pas n'importe quel directeur, Cédric. C'est un directeur qui bloque 3 jours quand même, 13, 14, 15. Mais moi, je me dis, mais ça doit être une équation de fou de tout programmer à l'intérieur de ces 3 jours-là quand même. Bah, y a surtout des choix à faire. Ouais. Parce qu'il y a plein, plein d'envies, il y a plein de belles choses, plein de musiciens talentueux. Et voilà, donc il y a un choix à faire. Après, l'idée du festival, c'est vrai que pour moi, un festival, c'est la rencontre entre les gens du public aussi, entre eux.
Donc, les personnes qui vont venir le vendredi vont se retrouver le samedi. Enfin, c'est aussi un partage, voilà, autour de la musique, mais aussi entre les gens. Voilà. Donc, sur une journée, bah, on a moins ce côté peut-être convivial. On va voir un concert et c'est tout. Là, sur 3 jours, voilà, c'est un événement qui permet de prendre le temps et de faire des rencontres aussi humaines Eh oui. avec les autres Eh concerts. oui, des rencontres humaines et puis surtout à l'encontre de ces artistes. Je rappelle que l'accordéon est un instrument quand même qui joue avec les deux mains, mais qui nécessite une technicité un petit peu différente que le piano classique. Oui, alors après, moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'instrument facile ou difficile. Tout instrument s'apprend. Donc oui, l'accordéon peut paraître un peu complexe parce qu'il y a deux claviers, il y a un soufflet à gérer. Maintenant, ça s'apprend. Moi j'enseigne l'accordéon à Montpellier. J'ai beaucoup d'adultes en cours qui débutent l'accordéon sur le tard, on va dire. Voilà, leur question, c'est au départ, c'est mais est-ce que je peux me mettre à la musique maintenant. Donc, que ce soit l'accordéon ou un autre instrument, oui, on peut se mettre à la musique à tout âge et il n'y a pas d'instrument plus compliqué qu'un autre ou plus facile qu'un autre. Pour tout savoir, tout découvrir sur les styles de musique qu'on va vous présenter 13, 14, 15 septembre, c'est à Montpellier. Cédric, il est là, c'est lui qui a sélectionné ces musiciens, ces groupes qui vont venir explorer cet instrument de musique. On va parler questions pratiques parce que le temps passe très vite. Ça va se situer à Montpellier, peut-être une adresse spécifique à Montpellier pour donner rendez-vous aux gens. Oui, alors ça se passe dans le quartier Celle-Neuve, alors principalement à la Maison pour tous Marie Curie, mais il y a aussi dans le quartier un cinéma Nestor Burma qui Ouais. participe aussi au festival et qui Ah. va proposer ainsi des concerts. Il y a aussi une association qui s'appelle Odette Louise qui va proposer des contes mis en musique pour les tout-petits, une sieste musicale aussi avec Virgile Goler. Voilà, donc en fait, l'idée aussi, c'est de pouvoir rassembler aussi d'autres structures autour de cet événement. Voilà, et de faire participer le quartier aussi, Mais oui, parce que les c'est un habitants. chouette quartier, c'est un vieux quartier de Montpellier, il faut le dire, avec une place. Avant, c'était un petit village, hein, ce petit quartier-là. Maintenant, bien sûr, il s'est transformé. Alors, on rassure les gens, pour se garer, il y a quand même des places qui sont tout autour. Il y a un immense parking. Oui, non, il y a justement en face de la Maison pour tous, là, enfin, il y a deux allées et avec un parking au centre, il y a de quoi se lire et oui, Et il y a de la puis, ils possibilité. peuvent aussi venir en tram, hein, je pense que c'est la ligne Oui, 3. la ligne 3, c'est ça. Ils peuvent venir en tramway ou même en bus, je crois que c'est la ligne 10 qui vient à Oui, Celle-Neuve aussi. oui. Donc voilà, c'est vrai que c'est un quartier excentré, mais au final, à 20 minutes de tramway de la gare. Donc très accessible. Et puis, il y a plein de commerçants qui sont autour aussi, hein, donc ça, c'est aussi très important. Sur place, les gens qui viennent sur place, ils pourront peut-être se restaurer sur une restauration Oui, rapide. c'est ça, il y aura ce qu'il faut sur place. On fait de la petite restauration hein, le vendredi soir, le samedi soir sur le lieu du festival. Et Tout à alors, fait. la fameuse question qui tue, gratuit ou payant pour les gens? Les deux. Ah! Voilà. Bah, l'idée, voilà aussi de ce festival, enfin l'esprit en tout cas, c'est de pouvoir rendre cet événement accessible au plus grand nombre. Donc c'est de pratiquer des petits prix et jusqu'à la gratuité. Voilà, donc l'ouverture du festival est gratuite sur le parvis de la Maison pour tous le vendredi soir à partir de 18 h et également le concert de clôture le dimanche soir à 18 h 30. Ouais, alors on va rassurer les gens. Moi, j'ai la chance, j'ai été sur le site hein, de l'association. Et d'ailleurs, je vous invite à y aller. Montpellier Accordéon, vous le tapez, vous allez tomber dessus. Oui, samedi, il y a un concert à 10 h 30, 3,50 € quand même. Oui, ça c'est une Nestor Burma, ouais, le Eh, ciné-concert. oui, non, mais c'est pas grand-chose. Et c'est bien de le dire parce que la culture, elle est aussi pour tous. Et donc, ça, c'est très important. Et alors, vous allez voir les têtes d'affiche sur les photos. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un instrument, entre guillemets, de vieux. Je m'excuse, c'est pas ce que je veux dire. Mais on voit en tout cas Jet Black Pearl, elle est relativement jeune. En plus, c'est un personnage à elle toute seule.
Oui, ça, oui, c'est un personnage. Alors, c'est une ancienne Montpelliéraine qui vit aux États-Unis Ah. depuis des années. Et donc, elle revient sur Montpellier, voilà, pour elle vient faire un petit tour, revoir un peu ses anciens copains, et aussi, du coup, profiter pour jouer et participer au festival. Ouais, ça fait très plaisir de la voir. Alors, il y a des choses gratuites, on vous l'a dit, et il y a des choses payantes avec un tarif unique, 17 euros si mes informations sont bonnes, avec gratuit pour les moins de 12 ans. Là aussi, c'est aussi très très sympa. Vous pouvez aller sur la billetterie, et c'est simple, c'est Hello Asso, hein, je pense que c'est le truc au top du top. Sur Hello Asso, il suffit de taper Montpellier Accordéon, c'est ça? Bah en fait, il y a des liens sur le site du festival accordéonpluriel.fr. Ouais. Et donc, il y a des boutons réservés qui amènent sur la billetterie sur El Oiseau. Et puis, alors, j'en profite parce que moi j'ai le programme, mais il y a un truc qui est génial, l'atelier découverte avec Virgile Gollet, et ça c'est gratuit, c'est de 15h à 16h, ça c'est encore une superbe idée, c'est vraiment génial. Et puis bien sûr, il y a aussi quelque chose qui va être très fort, et là, le choix, je pense que tu vas pouvoir nous l'expliquer avec un bal folk le breton à 20h45, ça sera le dernier jour. Là, il risque d'y avoir vraiment une chaude ambiance. Le bal folk breton, c'est le samedi soir. Ah, c'est le samedi soir, pardon, autant pour moi, pardon. C'est la soirée justement à 17 euros où il y a deux concerts. Enfin, ça commence par un concert avec Histoire 2, un duo accordéon-violon, et on enchaîne avec un fest-noz, justement le bal trad breton avec Conoz. Et effectivement, ça fait un moment que je voulais amener la culture bretonne en Occitanie parce que, en fait, bah, je trouve que c'est une musique sympa et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de fest-noz dans la Ouais. région. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie d'amener cette culture aussi en Occitanie et puis faire découvrir ce type de musique et puis inviter les Bretons d'Occitanie à y participer. On vous a tout dit, en tout cas, on l'espère pour vous, à ne pas manquer. C'est l'événement coup de cœur pour nous, 13, 14, 15 septembre 2024, Festival d'accordéon pluriel. C'est les 10 ans, encore une raison en plus pour y aller, parce que vous allez voir que le programme, il est chargé. Pour tout savoir, Montpellier Accordéon, vous le tapez sur Internet, vous allez tomber sur le site, la programmation. C'est à Celle-Neuve, tram, pardon, ligne 3, arrêt Celle-Neuve, et puis le bus, ligne 10, arrêt Marie Curie. Vous pouvez pas vous tromper. Et ça, c'est alors, important, mais vite fait, c'est ma dernière question. Il faut réserver, pas réserver? Alors, ils ont annoncé du beau temps. Donc, a priori, ça va se passer en extérieur. Donc, la jauge est suffisamment grande, a priori, pour accueillir tout le monde. Après, voilà, si la météo ne le permet pas, c'est en intérieur. Et là, la jauge est plus petite. Le mieux, c'est quand même de toute façon de réserver. Comme ça, c'est plus rapide à la billetterie. Ouais. Et puis, voilà. Après, je pense qu'il y aura quand même toujours de la place, si les gens se décident au dernier moment. Un événement à découvrir en famille, les amis, c'est à Celle-Neuve, c'est à Montpellier. Cédric était avec nous. Je vous rappelle que si vous voulez faire gagner un reportage et voir tout ça en images, il vous suffit de voter le chiffre 3 qui apparaît en haut à droite de votre écran et nous enverrons une équipe de télé directement sur place. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous.